Coucou la team, je suis super contente de vous retrouver sur BAP TV, l'émission Time Fit. Aujourd'hui, on va voir un exercice génial, le gainage. Le gainage, on va le retrouver très souvent dans les vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice qui renforce les muscles profonds de votre corps, particulièrement la fameuse alléta, qui est la plus importante. Et là, où est-ce que vous avez dit ? Alors, si vous avez dit que vous avez dit, il va nous suivre. On va faire un petit circuit. Tu as 4 exercices. Et à la belle blinde, tu peux le préparez-vous et on va commencer tout de suite. On est de retour avec vous. On va commencer par le premier exercice. On y va. Donc là, mettez-vous sur les mains. Serrez bien les fesses et le ventre. Mettez-vous bien fidé, bien sûr. Donc les bras, ils doivent être parallèles aux épaules. Et maintenez le maximum. On serre tout ça, on reste concentré. Les débutants, à la belle Evelyn Hinchurch, 15 minutes de gainage, c'est sûr, ou la 5 minutes, ou la 8 minutes. Essayez juste de commencer en maintenant 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, l'ikdartu alayha. Le plus important, c'est d'essayer toujours de dépasser un petit peu ses limites. On y va sur un deuxième exercice. Là, on va plutôt se mettre sur les coudes. Même chose, on ne peut pas les bras. Les coudes parallèles aux épaules. On serre toujours les abdos. Et on maintient le maximum. Pour les habitués du gainage, vous pouvez bien sûr s'abouchouer à l'exercice. En surélevant les jambes une après l'autre. Et là, vous maintenez le maximum. On enchaîne les amis sur un troisième exercice, les houal gainage latéral. Là, ça va nous permettre de toucher un peu plus les obliques. Et on y va. Donc, le coude tacom parallèle aux épaules toujours et remonter en restant bien droit, bien stable. Toujours en serrant les fesses et les abdos, bien sûr. Donc là, on maintient. Pour les débutants, vous pouvez maintenir 15 secondes pour commencer. Ou petit à petit, qui m'a coûté comme tout là. Les habitués du gainage, les raccourcis au fénin, tu peux bien sûr travailler sur du gainage dynamique. Donc voilà, comme ça, hop. Et pareil, vous faites autant de répétitions que vous voulez. Le maximum fait le gainage, mais il faut savoir que demain, très demain, tu peux te racheter. Vous allez sécréter de l'adrénaline et avec l'adrénaline, elle va libérer les cellules graisseuses de vous. C'est exactement ce qu'on recherche. Bien sûr, vous allez le faire de ce côté et sur l'autre côté aussi. On enchaîne sur un dernier exercice qui est le gainage twist. Et là, cet exercice, franchement, je l'adore. Même position, planche, on serre les fesses toujours et le ventre et on y va sur les côtés. Essayez d'atteindre le sol, en restant le plus stable possible. C'est-à-dire maintenant bzef ou manahabtosh, d'accord, pour ne pas créer une combrure. Donc là, droit et on y va. Encore une fois, maintenez le maximum. Voilà la team, je vous ai montré des exercices basiques de gainage. D'accord? Le circuit HADA, essayez de le faire plusieurs fois par semaine. 4, 5 fois, 6 fois pour les gens qui ont l'habitude de faire du sport. 2 à 3 fois par semaine pour les débutants, ça ira très bien pour un premier temps. Maintenant, je vais tous les messages, je vais combien de temps je détouffe le gainage. Restez branchés, on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos et soyez motivés surtout. Bye!